Are you listening? Et bonjour les gens, c'est Mister Noz et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit jeu gratuit, tout petit. Il s'agit d'un visual novel. Alors je sais, il y a très peu de gens qui en parlent des visual novels. C'est souvent en anglais, c'est pas du triple A, mais il y a toujours un public pour jouer à ces jeux-là. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Moi c'est pas spécialement ma tasse de thé, mais j'aime bien tout le thé manga, tout ça, c'est bien dessiné, c'est joli, c'est agréable à regarder. Ça vous conte une histoire, et donc ça mérite d'être mis en avant de temps en temps. Et donc quand je peux le faire, je le fais. Alors ce jeu il s'appelle comment? SC2VN. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais c'est un jeu particulier parce que c'est un jeu vidéo qui vous parle d'un jeu vidéo. On va faire une nouvelle partie. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on peut choisir son personnage, c'est ce qu'il nous raconte un petit peu. Je vous fais pas du tout les traductions, je suis pas là pour ça. On va plutôt parler du jeu et de ce qu'il représente et de ce qu'il englobe. Vite fait. On prend le garçon, on prend la demoiselle. Bonjour mademoiselle, on va commencer l'histoire avec la mademoiselle. Vous êtes charmante. Ah vous voyez, vous avez des petits scrolling comme ça sur les images. Donc soit horizontaux, soit verticaux. C'est très agréable. Donc, alors, c'est un jeu vidéo qui parle du jeu vidéo StarCraft. Alors, StarCraft, qu'est-ce que c'est? C'est un RTS, un jeu de... Pas un jeu de rôle, mais un jeu vidéo en temps réel de stratégie qui est très dynamique, qui vous demande de construire. Alors, ça se passe dans le futur, vous avez des bases, vous devez conquérir des bases, vous pouvez récolter des ressources. Vous devez construire des troupes, etc. Commander vos armées aériennes, l'infanterie, etc. Donc c'est un jeu qui joue en multi. Je pense qu'il est, il est gratuit. Hein. Je vous mettrai peut-être le lien du site officiel de StarCraft dans le descriptif de cette vidéo. En plus du lien de ce jeu. Et vous allez voir que c'est assez particulier car il y a un côté anthropologique. Aux choses, c'est-à-dire que ce jeu-là parle des interactions qu'il y a entre les joueurs qui jouent à StarCraft et qui souvent sont déçus, ils sont un petit peu frustrés lorsqu'ils perdent une partie parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dessus, des heures et des heures de jeu, et donc quand on perd ses troupes et tout ce dont on a investi, bah, on est un petit peu frustré. Comment ça se traduit? Ce jeu-là, ce visual novel l'explique. Donc voyez, là vous avez des images de StarCraft. Vous voyez, tous les jeux commencent de la même manière. Il faut installer sa base, récolter des ressources, entraîner ses troupes, construire des buildings qui vont pouvoir vous permettre de construire des véhicules, des bâtiments, gérer une armée, attaquer les méchants, conquérir une map en détruisant ses adversaires, etc. Vous voyez, c'est un grand jeu de bataille. Alors graphiquement ça peut faire penser à LOL, sauf que bah, LOL c'est un MOBA et ça c'est pas considéré comme un MOBA. Ouais, voyez donc qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que là on nous explique ce que c'est que StarCraft et on est dans la peau de la demoiselle qui est apparemment a perdu récemment. Et qui est un petit peu frustrée, elle va aller se rendre dans les cybercafés, elle va rencontrer des gens, il va y avoir des interactions avec ces personnages là. Et il y a un moment donné dans l'histoire, on va avoir des choix à faire qui vont forcément influer sur la fin de l'histoire. Donc déjà si on prend un personnage masculin ou féminin, ça varie les événements qui vont se produire dans le courant de l'histoire. Et pareil, en fonction des choix et des réponses, ça va influer sur la fin de l'histoire. J'aime beaucoup ce côté très joli, très dessiné. Moi qui aime beaucoup les animes, depuis quelques années déjà, j'essaye de rattraper un retard
Que j'ai jamais eu en fait. J'essaye de découvrir certains classiques, plus de nouvelles découvertes. Les animes, j'en consomme pas mal. Des fois, vous me voyez pas publier de vidéos pendant 3-4 jours, c'est parce que je me fais des saisons entières d'animes. Hein, je pourrais pas vous donner la série la plus récente que je suis en train de regarder parce que j'ai oublié le nom. Il est en japonais et mon japonais, il est un peu comme mon espagnol, inexistant. Alors, hop! Vas-y, passe-moi le black screen, s'il te plaît, parce que c'est pas joli. Nous, ce qu'on veut, c'est évoluer. Alors, s'il te plaît, papa, maman, donne-moi de l'argent de poche, je veux un iPhone. Alors, vous ferez pause si vous voulez lire les textes, mais c'est une façon de pas vous spoiler, et tout en papotant et en vous présentant cette vidéo. Voilà, voili, voilo. Donc, si c'est votre genre de jeu, je sais qu'il y a... Il y a beaucoup beaucoup de gens qui aiment ce type de jeu vidéo. Et donc je vais pas vous priver en évitant d'en parler. Donc je vous l'expose ici. Bon, oh, fais la tête, oh, fais pas. Mais c'est charmant. Mais t'es mignonne quand tu fais la tête. Moi les filles qui font la tronche, je trouve ça charmant. Ouais, j'aimerais bien, il me faudrait une tête de con. Ouais. Ouais, j'ai un petit faible pour les têtes de con. Je dois en être une moi-même, ça doit être pour ça. Donc voilà, donc, voyez, regardez. Mais rien que pour la qualité des dessins. Rien que pour la qualité des dessins, le jeu il vaut le coup. Moi j'aime beaucoup. Oui, ils aiment beaucoup. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir différentes interactions durant le jeu. La première devrait pas tarder à arriver. Donc on rencontre des personnages. Là, le méchant de la troupe arrive. Oh, toi, t'es le méchant de la troupe. Hein, on te dit à chaque fois qu'on te dit un truc, t'es pas content, ça c'est sûr. Après, oh, tu croises les bras, ça c'est ça veut dire refus de communication, ça, t'es fermé sur tes principes. Hein. Et comme disait Hugo Pratt, au travers son personnage Corto Maltese, les principes, c'est comme la peau du caméléon, ils changent en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Ou il disait un truc comme ça. Il disait, les principes, c'est comme la peau du caméléon. Donc vaut mieux avoir des valeurs que des principes. Ok, d'accord. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on est dans un cybercafé, qu'on va engager une partie avec le petit personnage qu'on vient de voir. Je pense qu'on va se faire laminer. Hein, donc ça, c'est les rouges, ils construisent ses troupes. On voit qu'il est assez fort. Il lance une attaque avec ses petites voitures. Là, la base organise sa défense. Mais est-ce que ça va suffire? Là, tu pouvais pas me faire plus petit comme image, s'il te plaît? Ok, donc c'est le bordel. Donc ça vous incite quand même à jouer à StarCraft, hein, à aller découvrir le jeu. Il faut forcément créer un compte, télécharger le jeu, valider un email et après vous pourrez jouer à StarCraft. Donc c'est une belle promotion que ce jeu-là pour un autre jeu vidéo. Je trouve ça assez original dans le comment on dit dans le concept. Voilà, je cherchais mes mots. Merci de m'avoir aidé. Après, je vais pas vous en parler pendant 107 ans, je pense que vous avez capté l'idée. On va juste avoir. Bon, oh, toi t'es le gentil. Oh, mais dis donc, t'as des yeux de coquin, toi. Oh, dis donc, merci, mais non merci si tu me fais du charme. Mais c'est gentil quand même, hein. D'accord, ça fait toujours plaisir. Alors, petit coquin, est-ce que tu veux faire une alliance avec moi, par exemple? Tu me files ton compte Steam, on lance une partie ensemble, on fait ami-ami sur StarCraft. Et on va défoncer l'autre bonhomme. Ça pourrait être une idée, ça. Non, tu crois pas? Oh, si, ce serait bien dit. Hein, tu comprends-tu? Oui, je comprends le jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il va y avoir la première interaction possible dans le jeu. Oui, je l'ai testé un petit peu avant, histoire de savoir ce que j'allais vous raconter. Même si je brode pas mal en ce moment. C'est pour ça que cette vidéo va pas durer 20 minutes non plus, je pense pas. À moins que, à force de papoter, et ben on arrive à combler. Alors, hit and run with aliens. Alors, les aliens, ça doit être des troupes terrestres, hein, il me semble, parce que j'y ai pas joué à StarCraft. Donc, je connais pas le jeu. Ou air assault with Banshee, donc une attaque aérienne avec les Banshees. J'avais essayé l'attaque aérienne dans mes tests. Je vais essayer donc avec les aliens, comme ça je saurai ce que c'est que des aliens. C'est quoi ça? C'est des troupes. Ah bah c'est les voitures. Ok, d'accord. Ah non, les rouges c'est moi. D'accord. Ok, on attaque les bleus. Eh ben on attaque les bleus. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu? Je ne sais pas, mais en tout cas, la partie a l'air d'être corsée.
C'est bien sympathique. Bon, j'ai l'impression de voir un petit peu les mêmes images. Bon, c'est des screenshots qui ont été sélectionnés pour le jeu. Je suis sûr qu'ils ont fait une vraie partie en fait, derrière. Enfin, je suis sûr. Non, je suis sûr de rien. Mais je présuppose que... Alors, voilà. Là, on est content. On a plus ou moins gagné. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je pense que ça suffit. Je vous invite quand même à télécharger ce jeu-là si vous êtes à l'aise avec l'anglais. C'est toujours mieux hein, pour comprendre ce qui est raconté, parce qu'on vous raconte une histoire, hein, c'est ça qui est sympathique. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Allez, ciao ciao, bye.